Bonjour, bienvenue au GEC Debout. Comme tous les ans, on fait une porte ouverte cette année qui sera le 20, 21 et 22 septembre 2019. Sur la commune de Chouny au lieu dit Cuy, 58-110. Cette année, il y aura en présentation 80 veaux mâles aux producteurs. Et oui, merci Théophile, nous allons vous présenter donc cet échantillon de mâles reproducteurs au travers de cette vidéo avec beaucoup de diversité à l'appui et de nouveautés. On vous présente d'ailleurs au Capi ici un nouvel achat du GEC Debout, acheté donc à la vente Simon Génétique de La Roche-sur-Yon en 2018, un taureau qui a très bien évolué avec de très belles masses musculaires et un bon équilibre général. Les produits seront à venir l'année prochaine. Et sans plus attendre, on attaque avec la production d'Athénon. Athénon, donc champion à Paris que vous connaissez tous, qui raye cette année encore sa descendance. Vous pouvez voir ici de nombreux produits très intéressants avec beaucoup d'épaisseur, de largeur de dos comme à l'habitude. Voilà, avec beaucoup de performance, un taureau qui affiche aujourd'hui 125 en Yves Sèvres, 104 en Yves Mat, qualifié RVS. Il possède en plus donc 123 en croissance au sevrage. Et donc c'est un fils de Aigle Royal, d'origine Vanier, issu de la célèbre tirelire sur Pedro, lui-même champion à Paris également. Et donc côté mère, on retrouvait Badine SC, une fille de Vaudor, prix d'honneur à Charolles, la lignée te voilà sur Pacha. Voilà, donc vous pouvez découvrir la production d'Athénon encore très régulière et supérieure cette année avec un très bon grain de viande et globalement une très bonne précocité dans la morphologie. Donc vous découvrirez dans cette présentation des femelles également, des génisses de 18 mois, des génisses de 30 mois pour vous montrer qu'Athénon produit en mâle et en femelle. Un petit peu plus loin dans cette vidéo, vous découvrirez même des petits-fils d'Athénon, puisque ces filles sont en production, avec globalement une très bonne réussite, puisque l'une de ces filles possède d'ailleurs un produit qui a été sélectionné pour la vente nationale. Vous pourrez découvrir cela dans la descendance de Number One un petit peu plus loin. Et donc, vous verrez également un très bon fils d'Athénon sélectionné pour la vente Simon Génétique de Cercy-Latour 2019.
Muguet à présent. Vous êtes présenté ici avec une belle production hein, donc pour ce taureau né dans l'élevage. Thierry Prin, fils d'I Love You sur Gaulois, deux très gros taureaux. I Love You qui promenait Ligue avec Nico, Folio sur Eurovision, premier prix à Paris, c'est une fille du Triomique avec Semence, qualifié R4S. Et quant à Gaulois, il s'agissait d'un descendant direct de Utrecht qui a laissé une très belle production de femelles dans l'élevage de Thierry Prin. Voilà donc les premiers descendants de Muguet. Très intéressant avec beaucoup de développement et de finesse. Et oui, vous le connaissez tous, Hongrois, multiple fois champion sur les plus grands rings de la race charolaise. Hongrois, issu du célèbre croisement gouverneur brésilienne, hein, brésilienne, multiple fois championne également, une fille de Pinet, une vache extraordinaire, hein, de l'élevage Merceron, une vraie peinture, hein, cette vache qui a laissé une descendance exceptionnelle dans le monde entier. Et gouverneur du côté du père de Hongrois, donc gouverneur, est issu de Cristal, un taureau qui a vraiment marqué l'élevage Marie-Pierre et Fabien Merlet en Vendée. Voilà, il provenait quant à lui du célèbre croisement Roméo Tulipe de l'élevage Biro-Alain. Voilà, que des bonnes choses ici. Donc, du côté de Hongrois qui laisse une belle production, autant mâle qu'en femelle, dans l'élevage de bouffe. On vous avait promis donc de belles nouveautés. Eh bien, voilà une ici, Muscadet. Vous pouvez voir ce tout jeune taureau de 3 ans, très carré, issu de Ingénieux, un taureau très impressionnant de l'élevage Nug, Sébastien et Mathieu en Saône-et-Loire. Voilà donc Muscadet. Quelques produits vous seront proposés à la porte ouverte. Et donc auparavant, on retrouvait des lignées telles que Cadom ou encore Brillant, des taureaux qualifiés RVS en amont. Notre bon vieux favori est encore dans les rangs cette année avec des fils ou des petits-fils. Favori hein, qui laisse une descendance globalement très vélante avec beaucoup d'attitudes laitières, un très bel équipe générale et du développement. C'est le plein frère de la célèbre Eurovision, cette superbe vache exceptionnelle hein, donc de l'élevage Boson Frère. Belle performance hein, encore cette année pour la production de Mino Sajek, hein, ce taureau qui avait été racheté à l'Association Nationale des Jeunes Éleveurs Charolais. Alors qu'il provenait initialement du GEC Pico en Moselle, il avait été pris d'honneur à Metz et acheté donc à la vente aux enchères Simon Génétique, donc d'Agrimax du Grand Est. Ce taureau Minos provenait de Gypsy King sur Cléopâtre. Cléopâtre, une très bonne donneuse d'embryon de l'élevage Pico, d'origine Philippe Baudot, trouve au loin des lignées telles que Tyrolien. Encore une idée. Et du côté de Gypsy King, c'est un taureau qui a vraiment marqué l'élevage Pico ces dernières années avec du développement de la finesse, de gros bassins et d'exceptionnelles fins d'année avec globalement un très bon avenir pour l'ensemble de sa production, ce taureau Gypsy King, la lignée Henri IV. Voilà, une souche au développement confirmé. Vous pouvez voir des veaux qui ont beaucoup d'épaisseur, beaucoup de précocité, un potentiel de croissance assez impressionnant ici. Voilà donc pour la descendance de Minos. De très bons veaux ressortent également cette année de Motus, un Motus qui avait été acheté à la vente aux enchères Simon Génétique dans l'ouest de la France. Et il provenait du GEC Lévrignet, donc en Vendée. Il était issu de 3 générations de taureaux Vélage Facile et donc lui confirme parfaitement bien à ce niveau-là, et donc son père était Horizon, un fils de Bambino sur Vendetta. Donc Bambino, issu de Top Univers ou encore Semence du GEC Nico. Voilà donc Horizon qui promenait quant à lui de la SEA Raymond Jean-Christian dans la Nièvre. Et au loin, donc on retrouve Banco, né au GEC La Panderie, un fils de Supérieur qui a laissé une très belle production de femelles, notamment au GEC Lébrignet, avec beaucoup de finesse, d'excellente qualité de race et des valeurs laitières plus que positives.
Quelques produits de Number One seront à découvrir cette année, notamment un veau sélectionné pour la vente nationale sous une très bonne fille d'Athénan. Number One était un fils d'Héraclès M, véritable rasseur ces dernières années dans l'élevage Mico dans l'Allier. Héraclès M qui provenait du très gros excellent MS, donc ligné Atlas ici. Et donc la mère de Number One n'est autre que Hors Norme, une vache de concours exceptionnelle du GEC Mico, qualifiée RR4S, elle provenait d'Equinox, donc de la lignée Tamaris d'élevage de l'Orme, sur Bienfaite, un championne à Paris, fille directe de Vauban, très grosse vache de l'élevage Mico. Une production très prometteuse pour Napolitain, âgé de 2 ans et demi ici. Il avait été acheté à la vente aux enchères Simon Génétique de Saint-Amand-Moron, était le record cette année-là. Né dans l'élevage Gilles Gozard, c'était un fils d'Isostar. Encore quelques jolis descendants de Il est beau. Il est beau était issu de Castor sur Nobelix, un taureau qui laisse encore une très belle production dans les élevages Chaise Bartholin dans la Loire à présent. Il est beau, donc vous pouvez voir ici des animaux très réguliers, précoces, avec de belles qualités de race, un bon équilibre général, une jolie arrière-main. Voilà, beaucoup de précocité à l'image de la descendance de Castor. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on vous attend nombreux pour le 20, 21 et 22 septembre, pour nos portes ouvertes, qui se tient sur le lieu dit de Cuy, commune de Chougny. Donc il y aura un panel de veaux mâles, de veaux femelles exposés, donc tout genre d'animaux, aussi bien type viande, type élevage, type mixte. Il y aura cette année aussi, pour cette porte ouverte là, aussi des ventes de femelles, ventes de déjeuner de 10 mois et ventes de 30 mois pleines. Donc ça y est, même un taureau sans corps. Village facile. Et oui, Hervé, un joli lot de jeans pleines, notamment disponible à la vente, pleine de Niagara SC. Un superbe taureau sans corne hétérozygote, âgé d'ici que de 2 ans et demi, hein, sur cette vidéo. Il provenait de l'élevage d'Aguzo Olivier en Vendée et avait été acheté à la vente aux enchères Simon Génétique de La Roche-sur-Léon par Le Gaec Debout. Donc voilà, vous pouvez voir de belles jeans pleines à vêler pour l'hiver 2019-2020. Mais aussi un très joli lot sélectionné donc de génisses de 18 mois ou encore d'Eleton qui vous seront proposés à la vente. En espérant que cette vidéo vous ait plu, venez voir en vrai tous ces animaux qui ont été présentés cette dernière. Buffet et buvette vous seront gracieusement offerts. Et puis à bientôt.